vivre cette fin de saison passionnante et croyez-moi, il s'en passera des choses chaque samedi à 18h à partir du 23 avril pour les 6 dernières journées de Ligue 1. Le verdict officiel dans quelques secondes, mais il n'y a pas de doute, mais ces images, on les aime. 4 à 6 points, 4 à 6 points je pense. Allez, ces émotions, ces regards, et puis bien sûr, juste après on repartira, on quittera le Cannet pour la Paris, à peine 3 minutes de pub et on reviendra avec Hassan qui sera à nos côtés pour l'entendre, parce que c'est ça qui est fantastique dans ce sport qui est la boxe, c'est que juste après le champion il vient vous parler, il vient vous raconter. Messieurs, allez, décision, on écoute. Des juges, décision à l'unanimité. Unanime pour monsieur Carozza, 119-110. Pour monsieur Verbeck, 116-110. Et pour monsieur Garcia Reyes, 119-109. Et donc, déclaré vainqueur au poids de ce combat à l'unanimité des trois juges et... Attention! Toujours! Bon, évidemment, c'est pas la peine de s'énerver, évidemment! Mais évidemment, monsieur, ben c'est évident! Ah oui. Regardez cette image! Hassan Endam, champion du monde! La colère du manager de Lorenzo! Vous qui le trouviez si sympathique il y a quelques secondes! Je ne comprends même pas comment ce genre de comportement est possible. Mais je pensais qu'ils avaient tous, enfin, qu'on était tous d'accord, qu'ils avaient tous... Non, ils se croient dans Bénil. Alexandre. Allez, surtout ne bougez pas, restez avec nous sur Direct 8. Hassan Endam conserve sa ceinture de champion du monde des poids moyens WBA et il sera en exclusivité en direct avec nous dans moins de 3 minutes. Un petit détour par Paris et on revient tout de suite. Saïd, il est où? Ouais. Qui va le chercher là? Saïd, il est où? Saïd, il est où? Hassan! Hey, juste Hassan. Hein. Bravo, c'est tout. Voilà, mesdames et messieurs. Au nom de la gagnante de cette soirée, ainsi qu'au nom de tous les boxeurs en bloc personnel, merci maintenant de votre présence parmi nous. Merci également à toute l'équipe technique de la presse qui s'est jointe à moi, déjà Hassan, comme d'habitude, d'une manière admirable pour ma présentation. Merci à l'éclairage, merci à la solo, merci à la technique. Voilà. J'espère qu'on va bientôt ici à la collection Cannet. Tu la tiens. Merci messieurs. Bravo mon grand, bravo. Et merci mesdemoiselles. Dom, est-ce que je le mets entre nous deux? Yeah, beau gosse. T'as une serviette, beau gosse. On a deux minutes encore. Si tu veux que quelqu'un t'amène une serviette. On n'a pas de serviette là. Hamid, 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 Hamid. Il n'y a pas un registre. Serviette. La serviette, merci. Yeah. Et tu nous as foutu la trouille au café. Ouais. Je prends un coup derrière la tête. Un coup derrière la tête baissée. T'auras géré. Ouais. Thank you.
J'entends mieux ma musique. Hey, je dorme, 15 secondes. On bouge plus, on passe plus. Hein. Retour au Cannet avec un visage et un sourire et la joie d'un garçon ici même. Il est encore champion du monde, WBA des poids moyens, c'est Hassan Endam. Maillard, il a fait un magnifique combat, mais on va lui laisser la parole. Est-ce que c'est toujours agréable de conserver une ceinture ou est-ce que l'émotion était plus forte la première fois? L'émotion est plus forte parce que je reviens d'un petit KO au quatrième où je prends un coup derrière la tête et j'arrive à gérer sur mes jambes. Et je suis très content d'avoir géré parce qu'avec mes qualités. Tes qualités techniques, à un moment donné, ça sert, tu vois. Il y a le cœur, il y a le courage en boxe, c'est la qualité première. Mais quand techniquement, tu as vraiment de la marge, tu vois, ça sert. Exactement, j'ai eu envie de la prendre, de la reprendre ma ceinture. Parce que j'ai dit, je suis chez moi et elle m'appartient. J'ai dit, je ne vais pas lâcher, je suis un guerrier. Donc voilà, un lieu indomptable. Hassan, néanmoins, comme tu le dis, tu prends ce coup, tu ne le vois pas venir, tu es touché, il y a ce petit chaos. Est-ce qu'on a la faculté intellectuelle de se dire à ce moment-là, je suis peut-être en train de tout perdre? Non, j'étais serein parce qu'à un moment donné, je sais que j'arrivais à gérer. J'avais récupéré, 15 secondes plus tard, j'avais récupéré. Donc je me suis dit, avec mes jambes, c'était pas Kuzai. Donc je pense que je pourrais gérer. Après avoir géré avec Kuzai, je peux gérer avec tout le monde. Ça vaut le coup de travailler comme ça pendant 2 mois dans les Ardennes, rester tout seul avec juste son clan, quand on voit ce résultat-là. Exactement, c'est un résultat de du labeur. J'ai travaillé pendant très très longtemps, je me suis donné vraiment les moyens. Mon entraîneur qui est là, Mustapha Wisher, on s'est donné les moyens. On a travaillé tactiquement, c'est ce qu'il fallait. Et avec mes promoteurs, on a vraiment pris une bonne claque et une leçon. Donc voilà, tout a été mis en œuvre. Je remercie Mehdi Amar, tous mes sparring, Melolongamok et tous ceux qui m'ont servi de sparring. La prochaine étape, c'est quoi maintenant? La prochaine étape, comme j'ai toujours dit, c'est la réelle ceinture. Ça veut dire que voilà, on passe une étape. Il faut qu'on gravite les échelons. Donc voilà, maintenant, je vais aller chercher les vrais champions du monde. T'as un nom? J'ai des noms, je ne me cache pas. Il y a Félix Turn qui a la ceinture mondiale. Il y a Sébastien Zbig. Il y a Sébastien Sylvester. Donc voilà, tous ces gens, tous ces grands champions qui ont les ceintures mondiales, j'ai envie d'aller les chercher. Hassan, pour rigoler à la fin, il faudrait que tu t'habilles plutôt en lion qu'en zèbre. Hein. Tu vas aller manger, pas te faire bouffer quand même. Heureusement que je t'habille en zèbre pour pouvoir m'enfouir. Je profite de l'occasion pour passer un coucou à Samy et Lina et puis à mon association, la FFRE. Je pense à Julienne, à Juliette. Et je fais un gros bisou à ma petite Juju que j'aime bien et Loulou. Je passe aussi le bonjour à Boussikin Sosant qui a été victime hier d'une crise d'épilepsie. Donc je pense à eux, à tous ces enfants qui souffrent et tout ça. Donc j'essaie de véhiculer l'image pour pouvoir récolter les fonds pour la Fondation française pour la recherche contre l'épilepsie. La FFRE dont tu es le parrain bien sûr Hassan, on sait que tu es un homme de cœur. Ce combat nous a beaucoup plu parce que, et on terminera là-dessus, mais c'est vrai que techniquement on t'a senti avec Maillard, avec Bertrand Gis, on t'a senti très à l'aise et nettement au-dessus. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Je sais que j'ai une grande capacité d'évolution encore, de progression. Et je travaille, je continue à travailler. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à maîtriser. Je ne suis pas encore arrivé. Et il ne faut pas beaucoup s'enflammer. Donc il faut rester la tête froide et continuer à travailler. Qui pourra t'arrêter? Personne. Personne. Je vais travailler je vais me donner les moyens. Et tant qu'il y aura la santé et l'envie de continuer, je serai toujours là. Et je resterai champion du monde pour mon pays, pour moi-même, pour ma famille, pour tous ceux qui m'aiment. On a aimé ta Marseillaise. Merci et bravo à Hassan Endam. Merci. Tu peux fièrement la tenir, cette ceinture de champion du monde. Et on est ravis sur Direct 8 de croire en toi, de miser sur toi et de te suivre comme ça parce que tu es un formidable champion. Merci à tous. Merci à Maillard. Merci à Bertrand Régis Louvet. Merci à Saïd Tagmaoui qui était avec nous également. Merci à tous. Bisous ma Juju. Merci aux équipes des sports de Direct 8. Très bonne fin de soirée. On se retrouve très prochainement avec, vous le savez, du foot à partir du 23 tous les samedis à 18h. Merci et bravo. Tu es un formidable champion et un homme avec un grand cœur. Salut. Merci. Bisous à la famille de Bonsoir. Terre. Salut. Au revoir.